Le vote des femmes, comme vous l'avez constaté aux dernières élections de mars 2011, est essentiellement axé sur le fait que les femmes n'ont pas voté le sang. Les femmes n'ont pas voté non plus le fil du terroir. Les femmes n'ont pas voté non plus à partir de l'achat de conscience pour de l'argent. Mais les femmes ont voté, selon moi, pour trois raisons essentielles. La première, ça a été la césarienne. La césarienne où Yahi Boni, au cours de son quinquennat, a proposé qu'aucune de nos mères, aucune de nos sœurs ne doit à l'avenir mourir sur la table d'accouchement à cause de petits moyens qui manqueraient. Et donc, il a décrété la césarienne gratuite. Une agence a été créée et je crois que c'est un projet qui a eu un impact important sur les femmes. Non seulement pour les femmes, mais pour les géniteurs, c'est-à-dire les hommes également, qui en principe supportaient sur leur budget de larges dépenses en ce qui concerne la césarienne. La deuxième raison pour laquelle les femmes ont voté massivement, c'est surtout les microfinances aux plus pauvres. Voilà un projet pour lequel Yahi Boni a dénombré à peu près 1 200 000 femmes et au total 780 000 femmes ont bénéficié de petits crédits de 30 000 francs par mois. Vous ne pouvez pas l'imaginer, ces 30 000 francs permettaient aux femmes de s'assumer et de pouvoir apporter leur grain à la gestion de leur foyer. Et cela allégeait le poids pour les femmes et cela permettait également qu'au sein du foyer, il y a un climat de détente, puisque lorsqu'il y a un peu de ressources, l'homme se sent un peu plus à l'aise et l'affection prime. Donc voilà en ce qui concerne la microfinance. Et enfin, le troisième projet, ça concerne les deux sexes en quelque sorte. Donc la gratuité de l'enseignement maternel, la gratuité de l'enseignement primaire et la gratuité pour les filles de 6e et de 5e. Et donc pour ces projets, dont l'impact est très important, plus de 300 000 enfants ont été scolarisés et les jeunes filles, lorsqu'on éduque une femme, on éduque une nation. Donc les gens ont été très séduits par ces trois projets qui pour nous constituent des éléments essentiels dans l'amélioration du développement humain. Ainsi, l'indice de développement humain calculé par le PNUD est passé du 127e rang à 112e rang, soit une avancée de 15 rangs. Donc c'est un indice important et Yahi Boni avait très tôt compris cela. En plus de ça, au cours de la campagne, il cherchait chaque fois à charmer les femmes. Vous êtes toutes belles, je vous aime. Ce sont de petits mots qui ont fait leur effet, dans la mesure où, lorsque ces femmes assistaient, j'en étais témoin, ils disaient même à la première dame, nous sommes toutes les femmes de Yahi Boni. Bien qu'il y ait une femme qui soit jalouse, le reste constitue la fine fleur. Et c'est eux, c'est elles, ces femmes-là, qui ont voté massivement pour Yahi Boni, lui garantissant ainsi un second mandat, parce qu'ils veulent aller plus loin, toujours plus loin et encore plus loin. Donc, les femmes représentant plus de 52%, tout électeur qui doit pouvoir aller aux élections doit tenir compte de cette gente féminine. D'ailleurs, dans son projet de société, le candidat Yahi Boni a prévu faire de la femme un acteur important du développement. Donc, un institut des femmes a été créé et il a l'intention d'ouvrir la maison de la femme dans tous les départements afin que les femmes puissent avoir un recours lorsqu'elles font l'objet d'une violence ou bien de dégradation de toutes sortes. Donc voilà la raison qui fait que, les raisons qui ont fait que les femmes ont voté massivement pour Yahi Boni. Donc nous souhaitons bon vent à toutes les femmes qui ont le mérite de prendre un candidat. Ils ont voté pour la raison, ils n'ont pas voté pour autre chose.